j'entends des chez-se-chers. Chez-se-chers, Serge. Chez-se-chers, Serge. Je vous rappelle que le truc, c'est vraiment de faire des pauses et de permettre à la bouche de revenir un peu. Chez-se-chers, Serge. Chez-se-chers, Serge. Chez-se-chers. L'idée, c'est de faire un spectacle autour des grues d'Arjusan. On essaye quand même de se mettre à la place d'une grue. Donc au départ, on part du monde humain, des bruits de camions, de douches. Petit à petit, on arrive dans le monde des grues et on se demande qu'est-ce que c'est que d'être une grue. Je les ai fait écrire plus ou moins en liberté, mais à partir de consignes. J'aimerais bien être une grue parce que, je n'aime pas être une grue parce que. Alors évidemment, c'est très auto-centré, mais des fois, ils arrivent à s'excentrer, donc on mélange tout ça. Ça donne des chocs poétiques sublimes. Il y a des moments dans les textes qui sont très très beaux. Sachez freestyler tout en volant en V. Sachez freestyler tout en volant en V. Sachez freestyler tout en volant en V. Ça fait que ça entretient qu'on est toujours en bonne santé. Vu que nous, parfois, on va vite et tout, sauf que Patrick Comon, il prend plusieurs textes et il les mélange ensemble. Ça fait qu'on n'a jamais de passagers. On fait du jogging dans le ciel, on se sent libéré. On fait du jogging dans le ciel, on se sent libéré. Ça fait qu'on fait des loopings à 360 degrés. Ça fait qu'on fait des loopings à 360. Première chose qu'on a fait, c'était à l'atelier d'écriture. D'abord, imagination, on a imaginé un spectacle. Et ensuite, on crée ensemble, même si c'est moi qui suis un peu le maître d'œuvre, si on peut dire. C'est une espèce de partage, comme je disais tout à l'heure, une espèce de tennis. Voilà. Ils m'envoient de l'énergie, je leur envoie de l'énergie. Légèrement, on peut avoir des effets un peu. On y va. Chut. Elle n'a jamais touché cet instrument pratiquement. Elle faisait une espèce de rythme africain, inanalysable, qui est inouï. Elle va le refaire sur scène. Peut-être que ce sera moins bien, peut-être que ce sera mieux, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'elle le fasse. Et qu'elles se disent, mais je peux le faire. La voix, l'écriture, l'orthographe, ça sont des marqueurs sociaux. Et j'essaie de faire en sorte qu'ils s'expriment le mieux possible. Ciel, si ceci se sait. Ciel, si ceci se sait. Ses soins sont sans succès. Ses soins sont sans succès. On passe à la chanson directement parce qu'elle est violente. Hein. Dis maman, ça fait quoi de savoir voler? Dis maman, ça fait quoi de savoir voler? Vous dormez. Dis maman, ça fait quoi de savoir voler? Hein? Dis maman, ça fait quoi de savoir voler? Le rythme c'est dis maman, ça fait quoi de savoir voler? Dis maman, ça fait quoi de savoir voler? Dis maman, ça fait quoi de savoir voler?